nouveau vlog. Alors je vous explique, nous sommes à Tours, je suis avec ma fille. Je vais tester un bel hôtel que j'ai dans l'optique de vous faire gagner comme box gold. Sachant que cet hôtel, il y en a 25 voire 30 dans toute la France. Donc je trouvais ça génial parce que forcément, où que vous soyez en France, vous aurez la possibilité facilement d'en trouver un. Et franchement, c'est très joli. On vient de découvrir la chambre, elle est ravissante. Il y a également une piscine, je pense qu'on ira ce soir. On est allé dans un centre commercial juste avant pour manger. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît ? Faire le petit room tour. Déjà, tu arrives, il y a la cafetière Nespresso. C'est la chambre exclusive. Il y a plusieurs standings. Déjà, quand tu vois le plafond, je sais pas, il doit faire, allez, 5 mètres de haut. Le lit, il fait 2 mètres. Il est immense. Petit salon comme ça, c'est joli. C'est un hôtel 4 étoiles. Je suis à l'hôtel donc Oceania L'Univers. Et c'est soit des 4 ou des 3 étoiles à chaque fois. Et là, je vous dis, on est sur 4 étoiles. Tous les placards de rangement. La partie salle de bain. Là, par contre, je la découvre en même temps que vous. Ouais, c'est pas mal. Hein. Avec la fenêtre. Ouais, ça doit s'ouvrir, je pense, qui donne sur la chambre. La douche. Ah, cool, Rituals. T'as vu, il y a les petits produits Rituals. Sympa. Voilà. Donc là, il doit être 4 heures. On va pas traîner pour profiter un petit peu, aller en ville, mais ce soir, je pense qu'on... Je sais pas, on sait pas ce qu'ils nous ont dit que là, le room service, donc demain matin, on se fait petit room service, petit déjeuner, pour vraiment tout tester. Et ce soir, le week-end, il n'y a pas de room service, donc tu peux faire livrer, ou alors forcément aller en ville aussi. Là, pour le moment, on sait pas trop. Je vais vous montrer l'entrée, elle est ouf, on se voit dans un film, la piscine je pense ce soir, il y a jacuzzi, et là je vous dis il est 4 heures et si on veut profiter un petit peu quand même des magasins, même si on venait vraiment pour pas évaluer l'hôtel, mais se rendre compte un petit peu, parce que oui, oui, l'une d'entre vous, l'une des abonnés pourra gagner, ça peut être très très chouette. J'ai pas pu vous filmer, je vous ai filmé plus ou moins, mais il y avait de la musique, mais l'entrée est dingue, donc tour. On est juste en face, l'hôtel est juste en face de la mairie. Il y a un monde, ah mais attends, c'est des manifestations, forcément qu'il y a du monde. Donc la mairie. De retour dans la chambre, j'ai pas vlogué en fait, déjà. Quand on est sorti, il y avait de la musique, donc forcément tu peux pas vlogger. Je vous montrerai parce que ça vaut tellement le détour. Après on est allé en ville faire du shopping, j'ai rien acheté. Enfin j'ai acheté un truc mais c'était un petit diffuseur, vous verrez. Et pareil, en ville, entre les manifestations, les je sais pas quoi, les musiques, et dans les magasins, t'as la musique à fond, ben voilà. Là, on est en mode, on ne sait pas trop si on mange dans la chambre ou si on ressort, je sais pas. On ne sait pas, mais la chambre est fabuleuse, très très belle. Hein. Regardez-moi cette chambre. Et en fait, regardez, hop, on va essayer de faire tomber le téléphone. Bonjour, la douche. C'est original. Bon, comme on s'est pas décidé, je me suis dit... Ah oui, je vous ai pas dit, j'étais chez le coiffeur hier. Elle m'a fait un soin à base de collagène pour les densifier. Et j'ai juste fait des petites mèches, pas sur la longueur. Et là, je vais voir s'il y a la piscine, parce que tout à l'heure, il y avait du monde dans la piscine. Tant qu'à faire, autant y aller tout seul. C'est pas que je vais y privatiser, mais un peu. Et parce que là, il est 19h19. Donc genre, on aurait piqué une tête, on aurait été faire un peu de piscine. Et après, on aurait mangé. Regardez cet hôtel. Magnifique, c'est splendide. Waouh! Dans l'ascenseur, il n'y a pas de musique. Même l'ascenseur, regardez, il est vintage, c'est très joli. Ouais, il y avait de la musique partout. Il y a le petit bar aussi qui est très joli. Je vous montrerai par contre, il y a du monde partout, partout dans la piscine et dans le jacuzzi. Donc, s'il faut, parce que je crois qu'il faut monter, descendre pour voir. Le look. Le même. Hein. J'ai juste détaché mes cheveux, flemme. Et en plus, même demain, j'ai que mon pull. Donc on a décidé qu'on partait dans Tours, on va chercher une pizza. Et si on rentre pas trop tard, on se fait, j'aimerais bien franchement, piscine. Bah oui. Alors, la chose qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de mini-bar. Et ça, je ne comprends pas. Bon bah la piscine, je peux pas vous montrer. La piscine, enfin c'est sympa le coin, mais il y a du monde. Bon, on reviendra tout à l'heure. Peut-être possibilité de couper le son là où j'ai pas essayé. Bah, je verrai demain ou voilà. Ou... Ah bah demain. Peut-être. Oui. Du coup là on est dans la partie bar hein, de l'hôtel. C'est très très mignon. Très intime. Hein. C'est le bar La Touraine. Le bar La Touraine et apparemment vous m'avez dit spécialité cocktail.
Oui. Parce que pour tout vous dire, on aurait voulu faire la piscine, il y a toujours du monde dedans. Ah oui. Si on prend le cocktail, le temps de manger et tout, donc on sait pas trop, ça ferme à minuit, c'est ça? 11h ici? Minuit, oui. Minuit. D'accord, okay. Allez, on est parti. Tout à l'heure, je vous ai pas montré, c'est joli aussi de nuit. Hein. Donc là, on est vraiment super bien placé. C'est la mairie, très belle mairie. Oh là là, mais c'est magnifique là. Et en fait, il y a la rue principale, là où on était tout à l'heure avec les magasins. Et un peu plus loin, c'est la vieille ville, Place Plume. C'est ravissant. C'est là où il y a tous les bars, les restos, quoique. Regardez-moi ça. C'est blindé. Ah non, ça va. C'est magnifique, je vous montre les ruelles. C'est trop beau. Non, il y a trop de monde. Tu vois, ça, c'est très mignon. Une devanture comme ça. Bonsoir. Entrée. Il est quand même 22h. La piscine, elle ferme à 23h. On va y aller. Regardez, ça, c'est, je l'avais eu avec Cupshi. Ce maillot de bain. Joli. Par contre, on a tellement bien mangé, c'était super bon, il y avait de la musique, j'ai pas filmé, c'était trop bon. Putain, je le sens pas du tout. Je suis en chaussette. Bon, on s'est dit que s'il y avait plein de monde, on n'y va pas. Alors ? Non, c'est pas là, mais non, viens. Ouais, hein, donc en fait, on vient de se baigner, les vitales du monde et tout. Bah, j'ai pas filmé, mais c'est quand même très agréable. Et il y a le jacuzzi à droite. Et la salle de sport là-bas. Bon, on est le lendemain matin, on a super bien dormi dans ce lit de 2 mètres. Ça, c'est cool, on s'est levé ouais, à 7h. Là, je vais faire des petites photos. Franchement, le lieu s'y prête. Et filmer, faire la story du cadeau box gold d'avril. Donc, c'est un bracelet. Super joli bracelet. Et puis, je vais essayer de faire un truc mignon. On attend le room service. Enfin, on avait dit à 10h, mais vu qu'on s'est levé tôt, on va l'avancer un peu. Et j'ai un peu craqué hier soir au téléphone, je me suis dit, je prendrais une omelette, je prendrais ça, mais en fait non, on va prendre un peu moins quand même, j'ai pas faim, ouf. Mais voilà le petit programme du matin. Voilà, le super bracelet, c'est la marque 21h10. Et en fait, c'est en laiton plaqué or 3 microns, c'est le bracelet Sophia, il est super joli, 85 euros. Et le petit pochon également, qui est super chouette. Oui. Exactement. Merci. Au revoir. Le plateau. Eh ben, je suis bien contente finalement de ne pas avoir pris l'omelette en plus, le fromage. C'était plutôt pas de la curiosité, mais voir un peu comment c'était présenté. Donc là, c'est en forme miniature, ce qui n'est pas plus mal. Salade de fruits, ça va faire du bien. Et surtout, le café, j'en peux plus. J'ai super envie d'un café. On est à l'accueil, c'est au moment de partir. Ah mais si, je vous ai montré hier donc l'hôtel, il y a toujours de la musique mais je mettrai autre chose dessus. C'est assez grandiose quand même. Et là ce matin, eh ben, il y a plein de chats en fait, le jacuzzi est vide. Voilà, c'était là qu'il fallait venir. Et ce matin, ah si, il y a quand même quelqu'un, mais le jacuzzi est là, j'ai pas pu vous le montrer hier. C'est Talgo. Un petit espace massage, enfin j'imagine que tu te fais pas masser devant tout le monde et que ça doit être un petit espace personnalisé. Là on attend et le hall d'entrée. On se retrouve à la maison, nous sommes le lendemain. Le quotidien je crois m'a rattrapé et j'avais des choses à finaliser, j'étais crevée. Bah en fait c'est pas tant l'hôtel, on s'est pas couché non plus de fou, mais c'est tout ce qu'on a fait avant. Les boutiques, j'ai plus l'habitude, il y avait tellement de monde. Il faisait chaud, tu sortais d'un magasin, tu remachins, tu trucs, ça m'a crevé. Bon, je vais quand même vous montrer la seule chose que je me suis prise. La noblesse du bois, voilà, donc ça sent le bois. C'est Mango qui fait ça, et vous allez voir l'objet, comme il est joli. Il coûte, bon allez, 20 euros on va dire. Voilà, ça c'est le diffuseur, donc tu enlèves la partie plastique pour mettre... Bah, les petites mèches comme ça. J'ai mis ici en attendant, parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien dans l'entrée. C'est pas sûr que ça reste là, hein, mais au moins, vous allez bien vous rendre compte, l'odeur est ouf. J'adore. Et dans l'entrée, je trouve que c'est pas mal, en fait, d'avoir cette petite senteur. Voilà. Assez rapide, hein. En même temps, je vous dis... Non, je vous ai pas dit. J'ai flashé, bah, chez Mango, en fait, sur une robe années 60,
qui m'allait franchement très bien. Donc je l'avais essayé en S, elle était trop juste au niveau des fesses. Donc je lui ai demandé la taille M, elle l'avait pas, et elle me dit je peux vous la faire livrer directement chez vous. Je dis ok, cool, parce que j'imagine que la taille au-dessus ça m'ira. Ça a pris je sais pas combien de temps, ils s'y sont repris à plein de fois, ça marchait pas, leur serveur, on a changé, j'ai dit vas-y, laisse tomber, ça m'a saoulée, donc je l'ai pas prise, mais il faut absolument que je trouve le modèle parce qu'elle est hyper mignonne. Autre chose, j'ai ramené de l'hôtel des petits pots de confiture en fait qu'on n'a pas mangé, et également, mais ça c'est pour la clientèle, rituel, j'ai pris le conditionneur qui restait, ils sont mignons les petits pots. Oui, j'ai pris le conditionneur parce que je vous ai dit, ma coiffeuse là quand je suis allée il y a deux jours, elle m'a conseillé vivement de passer justement au conditionneur parce que le masque alourdissait et pouvait graisser, donc ce sera l'occasion de tester. Demain, deux minutes Jack s'il te plaît, demain j'ai un gros programme, on va être trois à pas transformer, mais on va un peu réaménager, ranger, faire du tri dans toute la maison. Et ça, ça va nous prendre un temps fou. Donc bien sûr, je vous montrerai comment ça s'est passé et les résultats. Mais pour l'heure, je vous laisse parce que si je veux que vous ayez cette vidéo, nous sommes lundi ce soir, j'ai intérêt de m'y mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a changé, j'ai adoré. Oh, inutile de vous le rappeler, mais je vous le rappelle quand même. Franchement, cet hôtel était top. Voilà. Bisous, bisous, bisous.